Bonjour à tous. Je continue mes petites méditations que j'avais commencées. Tu es rendu à la méditation 28 dans la quatrième semaine. Je vais en rajouter deux autres pour finir plus tard. Donc, j'avais intitulé ça le don de force qui aide la volonté dans nos faiblesses. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'inspiration est la motion de l'Esprit Saint, sur laquelle s'appuie le don de force, ne consiste pas seulement en une nouvelle révélation ou lumière, mais en une nouvelle fermeté d'âme produite par l'Esprit Saint et qui rend l'homme ou la femme capable de surmonter presque n'importe quoi. Cependant, il faut reconnaître la faiblesse et l'instabilité de la volonté qui peut mettre obstacle à la motion de l'Esprit Saint, à son inspiration. Le don de force perfectionne la vertu correspondante en donnant à la volonté une énergie qui lui permet d'accomplir ou de souffrir allègrement de grandes choses, en dépit de tous les obstacles qui se présentent, lui donnant une emprise spéciale sur les facultés inférieures et sur les difficultés en dehors. La vertu de force ne fait pas disparaître toute hésitation, toute crainte des obstacles et des insuccès, mais le don de force lui procure l'assurance, la joie, le ferme espoir du succès et fait d'excellents résultats. Il est capable d'attaquer et de supporter ce qui est plus difficile. Il y a trois choses auxquelles il faut résister que j'ai déjà parlé. La concupiscence de la chair, la possession du monde et les esprits mauvais, les démons, par sa puissance, on le peut. Or, on n'est fort que par Dieu, l'esprit de conquête et de sacrifice travaillant pour la gloire de Dieu et le bien du prochain. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse de devenir saint. Il faut aussi faire des efforts pour y tendre, comme c'est marqué dans Lévitique et un peu partout. Il est dit, soyez saints, car je suis saint, ou soyez parfaits, car je suis parfait. Donc, c'est fini pour cette petite méditation. Vous pouvez en faire un autre aussi, si vous trouvez que c'est pas assez long. Mais je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.